au même moment hier soir débutait la 25e édition du festival Jazz à Ouaga, 25 ans au service de la musique, des arts et de la culture. C'est autour de ce thème que se tient la présente édition de Jazz à Ouaga. Jusqu'au 6 mai prochain, environ 35 groupes musicaux d'Afrique, d'Europe et des États-Unis vont offrir des spectacles aux mélomanes. C'est la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous musical. Le reportage de Ibrahima Sombier et Aruna Marie. Ans au service de la promotion de la musique. 25 ans de contribution au rayonnement de la culture au Burkina Faso. Le festival Jazz à Ouaga souffle ici ses 25 bougies. En 25 ans, on a permis au public, aux mélomanes, de s'habituer à ce genre musical, de se former à ce genre musical. En 25 ans, je pense qu'on a installé définitivement cette musique créative au Burkina Faso. Et c'est une fierté d'avoir pu conduire l'œuvre de nos devanciers jusqu'à ces 25 ans avec autant de succès. Jazz à Ouaga, ce sont les concours de musique. C'est aussi le village du festival, la caravane jazz, les formations à la gestion de la carrière musicale et les concerts. C'était magnifique. Il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de joie, beaucoup de... Tout le monde ici était très, très, très content, je pense. C'est vraiment magnifique. Une quarantaine de groupes musicaux et autant d'artistes musiciens vont se produire sur scène. À cette cérémonie d'ouverture, outre Bill Akakora du Burkina Faso, le public a pu découvrir pour la première fois à Ouagadougou la chanteuse Joss Stone du Royaume-Uni.